tous, on se retrouve pour une troisième vidéo aujourd'hui pour une troisième vidéo donc concernant les masques qu'on va tous devoir porter a priori d'ici une bonne semaine. Voilà, donc il y avait une première vidéo, je vous avais fait une première vidéo pour vous montrer comment réaliser ce masque là tout simple. Voilà, selon les recommandations AFNOR. Hop. Ensuite, je vous ai fait une deuxième vidéo pour vous montrer comment intégrer un pince-nez. Là, en faisant une petite poche pour intégrer un morceau de métal. Avec là, une boutonnière. Hop. Et pas de couture à l'intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment intégrer une triplure à votre masque si toutefois vos tissus sont trop fins et laissent passer trop l'air. Voilà, vous avez la possibilité de rajouter une troisième couche. Là, cette triplure-là est pas amovible. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est voilà, c'est pris dans mon tissu intérieur et extérieur de masque. Pour cette vidéo, comme pour celle-ci là que j'avais fait, je vous montre seulement comment intégrer la triplure. Après, pour la suite du montage et pour voilà, comprendre comment on monte le masque du début à la fin, je vous laisse aller voir donc la première vidéo qui vous montre comment faire celle-ci. Vous verrez dans cette vidéo là d'aujourd'hui, vous aurez un petit i dans un coin, je crois que c'est par là-bas, et vous avez qu'à cliquer dessus, ça vous renvoie à la vidéo de montage de base. Donc aujourd'hui, je le répète, je vous montre juste comment intégrer cette triplure. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour réaliser ce tuto, il nous faudra pas deux, mais trois carrés de tissu. Carré ou rectangle. Là, les miens sont un peu plus larges que longs, mais toujours donc 20 cm en hauteur. Et ici, il doit faire 22. Vous voyez, c'est plus un rectangle qu'un carré. Hop là, voilà, vous voyez mieux. Donc, il nous en faut trois comme ça. Un pour le tissu extérieur du masque, un pour le tissu intérieur du masque, et là pour le tissu, la triplure, donc qui sera entre le tissu intérieur du masque et le tissu extérieur du masque. Toute la difficulté ici, en fait, c'est juste de savoir où placer la triplure pour qu'elle se retrouve à l'intérieur de mon masque. Donc, on commence déjà par mettre la triplure ici. Je mets mon tissu extérieur de mon masque face envers contre une des faces de la triplure, peu importe, puisqu'elle sera dedans. Et je viens mettre endroit contre endroit la troisième couche. Donc pour moi, là, celle-ci, c'est le tissu qui est à l'intérieur de mon masque, c'est-à-dire celle qui touche mon visage. Et donc voilà, endroit contre endroit. Voilà. Je les superpose bien et je vais venir coudre le haut et le bas. Je prends bien les trois couches ensemble. Voilà, j'ai cousu le haut et le bas. Ici, on voit ma triplure, ici le tissu intérieur de mon masque. Et je vais venir retourner le petit manchon que j'ai fait. On vient repasser le haut et le bas. Voilà. Et donc, on se retrouve bien avec notre masque, enfin début de masque, avec notre triplure qui est pris en sandwich entre mes deux tissus intérieur et extérieur du masque. Voilà. Pour la suite, comme je vous l'ai expliqué au début, je vous laisserai cliquer sur le i qui se trouve dans un coin de la vidéo et qui vous enverra vers ma vidéo de base de montage du masque. Voilà. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà. Vous avez juste appris à introduire une triplure au milieu. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Bye bye.